YouTube. Ah voilà, on se retrouve dans un avion. Un avion de la Pegasus. La Pegasus est une compagnie de vol intérieur turque. Et donc, on va partir pour une destination comme ça à la dernière minute. Un peu. Le vol, c'est à peu près une heure, un petit peu moins d'une heure. Et on est à bord d'un A320 Neo. La compagnie Pegasus, je ne la connaissais pas du tout, donc on va faire une petite visite rapide. Comme on sait, ça me rappelle des souvenirs en Égypte. C'est un désinfectant qui est envoyé dans tout l'avion pour assainir l'air. On a une petite fiche avec des encas, je suppose, oui. Mini sandwich, des cafés, 3 euros. Si tu payes pas carte, c'est 2,60. Sandwich, machin. La carte, c'est 10 euros. Hein. Les boissons. Les instructions. Une petite tablette. Hop. Et on va voir la place qu'on a entre les sièges. Ah bah, ça va, c'est correct. Hein. Voilà. Bon, on se retrouve au décollage. À tout. The jackpot.
Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui en plein centre à peu près de la Turquie à Sivas. En fait, Sivas, je pensais à la base que c'était une petite ville et pas du tout. C'est une ville assez grande. On est à 1000 km à peu près d'Istanbul. Et pratiquement autant de la Géorgie, je pense. Je vais vérifier. Hein. Hop, Google Maps. Je fais tout ça en live, évidemment. Donc, Arménie. Itinéraire. Voiture. 942, ok. On est à 942 km de l'Arménie. Et à pratiquement autant d'Istanbul. Hein. Voilà, 880 km.
On est à peu près au centre de la Turquie, donc. Donc à la base, je pensais que c'était une petite ville. J'avais aucune notion, parce qu'évidemment, j'ai pas préparé. J'ai pris un avion hier depuis Istanbul, voyage d'une heure, tranquille. Arrivé de nuit, donc pas grand-chose à voir. Et aujourd'hui, j'ai commencé ce matin, là on est à l'après-midi, il est ici 16h bientôt. Il fait très chaud, il fait 36 degrés à l'ombre, hein. Mais il y a de l'air, un air chaud, mais ça va, ça se vit bien, mieux qu'à Istanbul. Istanbul, il n'y avait pas d'air, c'était une fournaise. Voilà, je reste toute la journée aujourd'hui ici, demain quasiment toute la journée, et puis bah demain on va repartir vers une autre destination encore, mais là pas d'avion, je vais privilégier le bus. J'ai déjà une destination en tête et bah on verra bien. Donc là au programme, petite balade dans la ville encore. Puis on va dîner. Je vais manger une des spécialités locales. Je te montrerai ça après. Et voilà. Et j'aime bien. C'est très agréable. C'est pas stressant comme ville. Même si c'est pas aussi grand que Istanbul, bah, ça circule beaucoup. Et voilà quoi, beaucoup de mosquées encore, bah normal. Et moi j'aime bien, voilà. Allez, on se retrouve plus tard pour d'autres aventures. De choses à visiter, je me suis rendu compte qu'il y avait un château et j'ai voulu le visiter, toujours à Sivas. Et donc utilisation bête et méchante de Google Maps, direction toc toc, j'arrive et je vais vous présenter le château de Sivas. Voilà, c'est une muraille. Juste une muraille, je ne sais pas si autrefois il y avait un château ici, mais le château de Sivas actuellement c'est ça. Une petite muraille à l'entrée d'un jardin public sur les hauteurs de Sivas. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon, moi je descends et je vais te montrer un petit peu la ville. On se retrouve tout là-bas. Oh là-bas.
Allons-y, bonheur.